Soyez bienvenus sur TV5 Monde. On se retrouve pour les prévisions de ce 9 mars avec un temps encore plutôt calme sur une bonne partie du continent européen. On aura toutefois pas mal de nuages bas sur le Benelux avec un risque d'averse, 8 degrés de prévu sur Bruxelles. On va avoir quelques chutes de neige encore sur les Pays-Baltes et puis sur une partie de la Finlande. Et puis on a surtout cette dépression en Méditerranée qui va apporter pas mal d'averses orageuses encore sur une bonne partie de l'Italie, du côté des Balkans ou encore de la Corse et de la Sardaigne. On poursuit nos prévisions à présent sur le continent nord-américain où là on retrouvera de l'instabilité au nord de la Californie avec quelques averses, notamment entre San Francisco et en remontant sur Vancouver, sur une bonne partie des États-Unis. Sinon le temps sera plutôt calme et sec, tout comme vers le nord-est du continent. Ce sera encore frais à Québec avec 2 degrés de maximum. Sinon, place à quelques averses sur le sud de la Floride en direction également de la mer des Caraïbes. Là on aura pas mal d'averses orageuses. Ce sera instable aussi sur une partie de l'Amérique centrale. On retrouvera des conditions bien humides sur Belo Horizonte avec 25 degrés. Plus au sud, en allant sur Cordoba ou encore Santiago, là, on profitera d'un temps plutôt calme, sec, avec 29 degrés. On poursuit nos prévisions en Afrique australe. Là, on retrouvera notre zone orageuse qui va s'étendre entre le Luanda en direction du Mozambique et puis du sud de la Tanzanie. En remontant plus au nord, ce sera bien sec et chaud. On aura 41 degrés sur Niamey. Pour le Maghreb, le temps est influencé donc par cette dépression en Méditerranée. On aura 14 degrés à Alger avec des averses. Ce sera bien sec sur la péninsule arabique et plutôt chaud. 35 degrés de prévu à la Mecque. Temps sec aussi en Asie centrale. On aura un temps plus nuageux sur Kaboul. Temps calme et plutôt ensoleillé en Inde et sur la péninsule indochinoise et sur la moitié nord de l'Indonésie. On part en Australie à présent avec souvent un temps calme malgré quelques entrées maritimes sur Melbourne ou encore Sydney ou du côté du nord-est. Dans les autres îles du Pacifique, temps plutôt calme à la Nouvelle-Calédonie ou encore sur les îles Salomon. Temps sec en Chine avec des conditions plus nuageuses sur le sud, le sud-est. Ce sera nuageux aussi sur Tokyo et puis on gardera un temps plus lumineux sur Osaka ou encore Séoul avec 7 degrés de maximum. On se quitte en parlant du fleuve le plus grand d'Asie du sud-est, le Mekong, qui connaît son niveau le plus bas en raison notamment de la sécheresse ou des divers barrages. Cela met également en péril l'approvisionnement alimentaire de milliers de personnes. Merci à tous et à bientôt sur TV5 Monde.